Salut à tous, c'est Ravinson. Alors on se retrouve pour la poursuite du tuto sur les attaques. Donc là, gros tuto, puisqu'on va détailler toutes les unités qui vont vous permettre de composer votre armée. Donc on va démarrer par les Alpins. Donc les Alpins, c'est le guerrier classique. Moi, c'est mon unité spéciale comme j'ai les Romains. Donc là, c'est une unité qui est fragile, mais quand même qui est un peu moins fragile que les autres unités comme les archers. Donc elle va quand même résister à quelques coups. Elle est très efficace contre la cavalerie en unité adverse, contre les bâtiments, contre les remparts. C'est vraiment une unité qui se débrouille très très bien. Par contre, elle va être très fragile s'il y a des unités comme des archers en face. Et elle va pas résister très longtemps. Et bien sûr, les catapultes, enfin mortiers, redoutes. Alors ça, c'est vraiment un ennemi mortel de ces unités. Donc celles-là, elles peuvent pas aller attaquer dans une zone où il y a une redoute, où il y a une baliste. Donc voilà pour ces unités, mais par contre, elles font de gros dégâts sur les bâtiments et sur la cavalerie. Ensuite, les tireurs, donc ça c'est l'équivalent des archers. Donc eux, très très efficaces. Alors moi, je les utilise beaucoup. J'en fais à peu près autour de 30 pour protéger le reste de mon armée des unités qui sont produites par les bases adverses. Tout ce qui est cavalier, tout ce qui est guerrier. Bon, voilà, une trentaine de tireurs. Les généraux aussi, elles protègent bien. C'est vraiment des unités qui protègent bien. Il en faut quand même suffisamment pour pouvoir que ça soit efficace. Après, par contre, c'est pareil, comme les premières unités. PV très très faible, 300 de PV, c'est vraiment très faible. Donc ça veut dire que catapulte, redoute et même les petites tours, hein, ça va faire du un coup pour les tuer. Donc attention, ça c'est vraiment des unités qui doivent être à l'arrière du combat, sauf pour les archers anglais qui eux ont une portée plus grande, donc ils peuvent se permettre aussi d'être à l'attaque, mais c'est encore de meilleurs défenseurs aussi pour ceux qui ont les anglais. Donc voilà, unité où il faut faire vraiment quand même. Attention à pas se retrouver dans la zone des catapultes ou des redoutes, parce que ça, il va pas y en avoir pour longtemps. Les chasseurs à moto, donc ça c'est l'équivalent des cavaliers à ressources. Donc vous voyez au niveau des PV, alors ça prend 4 places. Hein. Les deux premières unités, elles prennent qu'une place dans votre armée. Non, ça prend 3 places. Voilà, toujours vérifier. 3 places. Donc ça c'est ça va vraiment cibler énormément les bâtiments de ressources, donc les marchés, les moulins, les fermes, les caravanes. Donc ça en général quand on utilise ça, c'est vraiment pour cibler les ressources. Alors soit on fait des attaques, il y a beaucoup d'attaques rien qu'avec ces unités-là, hop, on fonce sur les ressources et ça mange tout instantanément. Après, par contre, le point faible, c'est que les bâtiments défensifs, ça fait rien du tout. C'est très vulnérable face à toutes les unités, presque, hein, de toute façon. Hein. Bon, alors, elles résistent quand même un peu longtemps, vu qu'il y a 1000 PV. Donc, il faudra quand même un gros amas d'unités adverses pour venir vous les tuer. Mais ça va pas durer très longtemps quand même. Donc voilà pour ça, donc c'est quand même une unité intéressante. Ensuite, on a les chars, ça c'est l'équivalent de la cavalerie lourde. Donc là, pour moi, c'est clairement un des tournants du jeu hein, quand j'ai eu les chars. PV élevé, vous voyez, alors je crois que de mémoire, c'est autour de 7000 PV, hein, les anciens, les cavaliers juste avant ça. Là, on passe à 13000 PV. Donc c'est vraiment. Là, en général, ça résiste très très bien aux défenses. La seule vulnérabilité, effectivement, c'est les tours à baliste, les canons anti-char. Ça, en général, il faut vite les détruire quand vos chars ils sont là-dedans, parce qu'on ne peut pas en faire non plus beaucoup. Hein. En général, ça va être une armée comme ça va être entre 6 et. Bon, si on est full char, ça fait 12-13 chars, mais en général, on va plutôt en avoir 6-7. Ben, moi, j'attaque avec 7, des fois 6. Donc, mais ça, unité très très. Elles vivent longtemps en général. Puis elles font quand même du dégât. Hein. Les remparts, elles arrivent quand même bien à franchir. Donc, excellente unité pour moi. J'aurais du mal à m'en passer. L'ingénieur, donc ça, c'est l'équivalent du mineur en général. Ça, c'est exclusivement pour les remparts. Donc, les PV sont pas mal hein, quand même. Hein. 1680 PV. Après, la faiblesse. Alors bien sûr il se fait attaquer partout hein, lui, mais la vraie faiblesse de l'ingénieur, souvent on va le poser en premier pour aller détruire une muraille, et va pas falloir se prendre de pales, de pièges, d'embuscades
Pourquoi? Parce que au final, vous voyez, celui-là, il prend 4 places. Et bah ça fait 4 places de perdu sans avoir été efficace. Donc à bien utiliser souvent, vaut mieux le doubler en fait. Hein. Vaut mieux faire 2 ingénieurs, poser toute son armée avant, mettre les ingénieurs et après faire le point de ralliement si on vise une victoire éclair. Et puis sinon, si on le pose en premier, bah, il va aller faire des petites routes partout. Puis il faut juste avoir la... Il faut un peu regarder la base pour se dire, tiens, où est-ce qu'il a mis ses pièges et essayer de mettre l'ingénieur ailleurs. Mais sinon, à haut niveau, c'est une unité qui est très très utile. Ensuite, l'artillerie, les canons. Donc alors ça, c'est une unité qui est vraiment, bah, pour moi, qui est clé. Hein. Si vous avez l'objectif de raser des bases, c'est une unité qui est quasi indispensable, hein, celle-là. On peut pas sans les canons, que ce soit la cavalerie lourde ou même les tanks, hein, y a pas une puissance de destruction qui est assez forte pour pouvoir raser une base et détruire tous les bâtiments entièrement. Et après, pareil, l'autre unité qui pourrait arriver à faire ça, c'est vos guerriers tout simple, mais eux ils se feront détruire si on fait que ça. Donc vaut mieux, et puis de toute façon ils meurent toujours très rapidement dans un combat, hein, les guerriers tout simple. Donc l'artillerie très très efficace. Alors toujours pareil, ça quand on utilise l'artillerie, il faut avoir quelque chose devant, donc les chars qui vont se prendre les coups à la place de l'artillerie. Et pareil, il faut faire très attention à tout ce qui est redoute, même les tours, c'est très dangereux parce que l'artillerie elle va cibler un peu tous les bâtiments, elle va pas cibler de bâtiments particuliers. Donc si elle se met à aller bombarder des fermes ou des choses comme ça et qu'il y a une tour derrière, et bah la tour elle va s'en charger toute seule et il va pas y en avoir pour longtemps. Faut faire très attention aux catapultes, donc toujours bien faire en sorte que l'artillerie reste derrière le... Bah, en général, les chars ou la cavalerie lourde. Ensuite, le camion. Donc ça, c'est les soins, les fardiers. Moi, j'ai été très marqué par le mot fardier. Donc souvent, je les appelle les fardiers. Donc, mais ici, moi, c'est des camions. Donc ça, c'est ce qui va servir à soigner votre armée. Donc ça va se situer dans la bataille au même niveau que les canons. C'est-à-dire derrière la cavalerie lourde ou les gros chars. Et ça peut être bien. Mais moi, je vous expliquerai un petit peu comment j'attaque. Parce que quand même, avoir une armée qui va arriver quand même, qui va rester un peu avec un nombre élevé d'unités au cours du combat, bah, c'est quand même mieux pour gagner les combats et terminer les bases. Ensuite, voilà, ça c'est les unités des casernes. Après, on va faire l'aérodrome. Alors, je vous ai dit, les tanks, les chars, ça, c'est un gros tournant du jeu. Et bah, pour moi, le plus gros tournant du jeu, c'est ça, c'est les unités aériennes. Donc, on va commencer avec le biplan. Donc le biplan, lui, sa qualité, ça va être, il va avoir deux utilités, c'est-à-dire que lui, quand vous avez des unités qui viennent de la garnison ou des écuries, ou même les généraux, même les gros chars des bunkers, vous envoyez le biplan sur ces unités-là, et puis il va les détruire. Alors bien sûr, les gros chars, il les détruit pas, ni les généraux, pas en un coup, mais il va quand même contribuer à les affaiblir. Par contre, les autres, les chevaux ou les unités... L'infanterie, ça, il les détruit tout de suite. Hein. Puis il en détruit, il les détruit toutes, hein, toutes celles qui sont dans la zone. Donc ça, c'est très bien. Il a des PV plutôt importants par rapport aux Zeppelins. Donc de temps en temps, on peut l'envoyer sur les tours ou sur certains bâtiments défensifs, même s'il se prend un peu de coups. Il faut faire très attention au château aux défenses aériennes, hein, parce que même s'il a un peu plus de vie que le Zeppelin, c'est pas énorme. Hein. Il va pas énorme pour longtemps. Et l'autre, en plus d'éliminer les unités, donc, et ben lui, si on cible un bâtiment, il va un peu le paralyser ou énormément le ralentir. Donc ça, c'est très utile. Souvent, moi, je m'en sers avec le Zeppelin. C'est-à-dire que j'envoie le Zeppelin sur un bâtiment, puis rapidement, j'envoie le biplan pour aller, si c'est une tour, aller un petit peu l'affaiblir et qu'elle tire un peu moins sur mon Zeppelin. Donc je m'en sers comme appât. Le Zeppelin, alors ça, c'est vraiment une unité qui est... Alors, qui est très fragile au niveau des PV, vous voyez, 1000 PV en général, hein, il passe au-dessus d'une tour, il est quasi mort, donc il faut faire très attention à pas se faire tirer dessus avec. Mais par contre, lui, il est capable de détruire 3 bâtiments en un passage. Donc c'est pour la destruction d'une base, ça c'est vraiment, vous imaginez, s'il y a déjà, ça c'est une unité qui peut détruire 10, 15, voire 20 bâtiments par combat. Donc c'est surtout pas à négliger. Moi, vous voyez, c'est tellement l'unité clé que c'est à peu près le seul endroit où je dépense mes couronnes quand j'ai mis une idole de formation.
Et que je perds mon zeppelin au-dessus de l'idole, bah, en général, je dépense mes 23 couronnes pour pouvoir le reformer tout de suite. Donc on va changer... On va passer aux unités d'usine. Les Gatling. Alors les Gatling, en gros, c'est comme des tireurs, mais seulement... Bon, bah, ça prend 4 places aussi. Seulement, au lieu de tirer une seule unité à la fois, en fait, elle va arroser une zone, en fait. Donc ça, c'est quand même plutôt efficace. Les PV sont quand même un peu plus importants que les tireurs. Et surtout, là, ça se voit pas trop, mais en upgradant les Gatling, si on les upgrade deux fois, après, elles deviennent vraiment, vraiment très intéressantes. Donc, je vous montrerai... Moi, je prendrai sûrement des Gatling un jour. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, j'ai pas upgradé, et que l'upgrade est très, très long, en fait. Le saboteur, donc, anciennement le guerriero, là, c'est l'upgrade du guerriero. Donc, ça, c'est l'unité la plus particulière du jeu. C'est-à-dire que... Elle, en gros, elle va aller détruire tous les bâtiments défensifs sans se faire repérer par les tours, en fait. Par contre, tout ce qui est garnison, écurie, ça va détecter le saboteur. Et là, ça va produire des unités pour aller le tuer. Mais par contre, si vous avez une base qui a beaucoup de tours concentrés, qui n'a pas de bâtiments qui produisent des unités, et ben là ça peut être très intéressant. Alors par contre, vous voyez, 2500 PV, seulement un gros pal et il est mort, donc ça aussi. Et puis lui, il prend 15 places, donc c'est une unité qu'on voit pas trop souvent, qui est très très délicate à utiliser. Moi, j'ai essayé, à chaque fois je me suis pris les pales en premier, parce que pour entrer dans la base, elle va passer par les portes. Alors il peut détruire les murs, mais s'il y a une porte, il va prendre la porte. Donc unité intéressante, mais c'est sûrement l'unité la plus difficile à utiliser dans le jeu. Et pour terminer, l'unité la plus puissante du jeu, c'est les chars lourds MK1 qu'on obtient en upgradant l'usine une deuxième fois. Donc eux, bah, vous voyez, 22 000 PV, 1000 de dégâts par seconde, 2000 contre les autres chars. Donc ça, c'est vraiment... Là, vous mettez tout le reste de votre armée derrière... ça fait du dégât quand même. Par contre, vous voyez, au niveau de la place, 25, ça prend la place de 25 unités, ça c'est quand même beaucoup, hein. Donc, et puis 40 minutes de temps de formation. Ah oui, pour les chars, je pense que je vous ai pas dit. Voilà, les chars, la place qu'ils prennent, donc moi avec ma réduction, 10 places. Donc ça aussi, ça prend quand même un peu de place. Donc voilà les unités de l'usine, hein. Donc je pense que là on a déjà fait pas mal le tour. Les généraux, alors les généraux, ça aussi, hein, quand on attaque c'est vraiment bien, vous voyez celui-là il est niveau 10, 20 000 PV, ça peut monter jusqu'au niveau 30. En général, quand si on pose un général, on peut s'en servir de deux manières, soit on le pose au début du combat. Donc ce qui est vachement bien avec un général, c'est qu'il va attirer tous les tirs sur lui. Donc alors après, par contre, vous pouvez le perdre assez rapidement, mais en tout cas, voilà, si vous avez des unités qui sont prises dans une catapulte, vous posez général pas bien loin de la catapulte, mais loin de vos unités, et la catapulte, elle va se mettre à tirer sur vos généraux. Donc les deux premiers généraux, Alexandre et Cléopâtre, vous voyez, sont au même niveau. Eux, leurs particularités sont très proches et beaucoup de points de vie. Ensuite, Nobunaga. Moins de points de vie, mais plus de dégâts. Et puis Napoléon, lui, il tire à distance. Donc ça, c'est un bon général, Napoléon. Vous avez aussi MacArthur qui doit tirer à distance. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Mais par contre, c'est des généraux. Attention, ils craignent énormément les balistes, hein, en général. De toute façon, les tours anti-chars, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant pour les unités fortes comme ça. Et puis, on va terminer par les mercenaires. Donc vous voyez, les mercenaires, il y en a toujours... ils ne sont pas tous disponibles et puis ils évoluent. Alors moi, c'est le Ronin, bah, c'est l'équivalent du guerrier. C'est très intéressant, hein, des armées comme ça. Avant, moi, souvent, je passais mon... Vu que je faisais pas mal d'idoles à l'animal, je passais mon cuir et ma fourrure dans ces unités-là. Et bah ça faisait pas mal de dégâts. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est les unités à ressources. C'est l'équivalent du chasseur à ressources. Donc ça, en général, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en mercenaire. Parce que c'est pas... Enfin, ça peut servir, hein, si on a une armée qui est là que pour détruire. Mais c'est pas ce qu'on fait le plus en général. On va plutôt sélectionner les maouts et les cavaliers soit, ou c'est l'équivalent, en gros c'est l'équivalent de la cavalerie lourde du char. Et puis après vous avez les tercios qui eux sont l'équivalent des tireurs, en fait, hein. Donc vous voyez, c'est des unités qui sont quand même plutôt puissantes. Et après il y aura un autre niveau, donc là où c'est encore, vous voyez, bah, ça va être l'équivalent du cavalier, le chasseur bédouin.
Donc on va comparer les donc 1300 PV et on va regarder surtout pourquoi il est fait, les bâtiments à ressources 759. Et puis on va comparer au chasseur Comte de Théry. Donc vous voyez, c'est moins de PV et au niveau des ressources. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus, hein, plus du double. Donc vous voyez, il s'améliore hein, quand même. Donc voilà un peu, je pense qu'on a fait le tour, on va vérifier, mais non, je pense qu'on a vraiment fait le tour de toutes les unités avec lesquelles vous pouvez aller attaquer. Donc après, par contre, il faut faire un bon mix de vos armées par rapport à votre façon d'attaquer. Vous voyez, je vous ai mis toutes les forces, les faiblesses, et en fonction du type de base, bien sûr, il y a des bases qu'on va choisir en fonction de l'armée, et puis d'autres qu'on va plutôt délaisser en fonction de l'armée qu'on a. Certaines bases qui vont être très compliquées avec les cavaliers à ressources. Bon, bah, si vous voyez des bâtiments à ressources disséminés de partout, hyper bien protégés, ça va être compliqué d'aller tous les chercher. C'est plutôt quand c'est tout concentré à un endroit, on fait un point de ralliement et ça va à cet endroit. Ou alors, quand vraiment les ressources sont autour, bah voilà, on pose nos cavaliers à ressources autour. Si vous avez des chars, bah bien sûr, il va falloir faire attention. Ça va être une armée bah, avec égide ou des sabotages pour aller bloquer un petit peu les tours à baliste ou se prémunir de leurs dégâts. Enfin voilà, ça va énormément dépendre de ce que vous choisissez comme armée. Donc voilà pour ce tour des unités. Bon bah j'espère que ça vous aura appris deux trois petites choses. Et puis maintenant bah, là c'est un peu la partie théorique qui de tout ce qui concerne les attaques qui se termine. Et la prochaine fois je pense que je vais vous montrer des combats type. Puis après bah, moi je vous montrerai un petit peu comme j'attaque. Hein, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi telle ou telle unité. Et puis pour voir enfin. Hein, un petit peu les réflexions que je m'étais faites quand j'ai changé l'armée. Voilà, et ben bon jeu à tous, et puis je vous dis à la prochaine.